sélectionneur, arrive le préparateur physique, Robert Duverne. Ils échangent des mots assez vifs. Voilà, ça ne plaît pas à Patrice Evra. Il est très remonté, Robert Duverne. Domenech est obligé de séparer les deux hommes. Il va s'en aller, Robert Duverne, en jetant son chronomètre par terre. Ensuite, Patrice Evra va rejoindre ses coéquipiers qui sont en train de signer un peu des autographes au public. Il discute avec eux et finalement, les joueurs décident de ne pas s'entraîner, de retourner directement dans le bus et donc de supprimer l'entraînement. C'est du jamais vu, Manu. Franchement, c'est la plus grave crise du foot français et peut-être même du sport français que là, on est en train de vivre. Du football, on ne va pas mélanger tous les sports, mais c'est vrai que là, ça prend des proportions. On est largement au-delà du ridicule. Ouais. Quand vous dites que c'est la troisième dimension, c'est un peu ça. Là. Peut-être rappeler les frères Bogdanov, on ne sait jamais. Peut-être. Alors, la suite des événements, c'est un communiqué, puisque Patrice Evra donc, a rédigé sur un bout de papier un communiqué qu'il a transmis à Raymond Domenech, qu'il a lu à la presse. Regardez. Donc, c'est un communiqué des joueurs. C'est un communiqué des joueurs. Par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apporte un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celles de porter les couleurs de notre pays, mais également celles que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif, pour que la France, mardi, soir retrouve son honneur par une performance enfin positive. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. C'est quand même hallucinant là, de voir le sélectionneur lire un mot des joueurs, c'est fou. Je crois que personne n'avait vu ça auparavant, donc écoutez, j'arrive pas à réfléchir en ce moment. Parce que c'est tellement grave ce qui se passe que j'ai le sentiment qu'on n'a pas vu encore la fin. Mais par contre, ça corrobore ce que l'on a dit hier, c'est-à-dire qu'on a empêché Nicolas Anelka de s'expliquer. Il a été condamné avant même d'être jugé. Ça ne cautionne pas non plus ce qu'a fait Nicolas Anelka. Mais en même temps, lorsqu'on est coupable de quelque chose, on a le droit aussi d'avoir un jugement, à mon avis, qui soit équilibré. Alain Giresse, je voyais sur les images, vous étiez consterné là, en écoutant.